Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Les Algériens s'apprêtent à célébrer demain 5 juillet le 62e anniversaire de la fête de l'indépendance, une date charnière dans l'histoire de la lutte du peuple pour le recouvrement de sa souveraineté et sa libération du joug colonial. Dans un message à la veille de cet anniversaire, le président de la République rend hommage aux martyrs de la Révolution et affirme que l'Algérie d'aujourd'hui, s'inspirant de novembre, a réussi à relever le défi de la relance économique et à restaurer la cohésion nationale. Le président de la République a signé à l'occasion deux décrets présidentiels, le premier portant mesures de grâce en faveur de 8049 détenus et le second concerne les détenus ayant obtenu des diplômes d'enseignement ou de formation durant l'année 2023-2024. À la veille de la célébration du 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le président de la République a présidé au Palais du Peuple la cérémonie de remise de grades et de médailles aux officiers généraux et officiers supérieurs de l'ANP. Le général d'armée Saïd Chengriha a rendu hommage au président de la République pour son soutien continu aux forces de l'ANP, au combat de la génération de novembre et aux martyrs du devoir national qui ont préservé, dit-il, face au terrorisme barbare, le caractère républicain et démocratique de l'État. Retour également dans ce journal sur le lancement hier par le chef de l'État de l'opération de distribution de logements, plus de 252 000 logements, toutes formules confondues, à travers le territoire national. Sport avec la sélection nationale qui est désormais fixée sur ses prochains adversaires lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et puis l'événement sportif de ce week-end, la finale de la Coupe d'Algérie qui va opposer demain au stade du 5 juillet à 17h, le Mouloudia d'Alger au CR Belouizdad. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous avant de développer tous ces titres. Sachez que deux audiences ont été accordées ce jeudi par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'État a reçu le ministre des Affaires des anciens combattants de la République populaire de Chine, Pei Jingjia, et s'est entretenu également avec le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Mena Ousmane Dione. Les Algériens s'apprêtent donc à célébrer demain 5 juillet le 62e anniversaire de la fête de l'indépendance, une date charnière dans l'histoire de la lutte du peuple pour le recouvrement de son indépendance et de sa souveraineté. Dans un message à la veille de cet anniversaire, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a rendu hommage aux martyrs de la Révolution. Il a affirmé que l'Algérie d'aujourd'hui, s'inspirant de novembre, a réussi à relever le défi de la relance économique et à restaurer la cohésion nationale. Karim Hasnaoui. Le président de la République a rappelé dans son message sache que l'histoire de l'Algérie reste étroitement liée à la révolution de novembre. Si toutes les nations ont vécu les affres du colonialisme, faisant de son indépendance un legs pour les générations futures et une fête nationale, la fête de l'indépendance de l'Algérie se distingue, souligne le président de la République. Les Algériens ont subi tout au long de 132 ans, un joug colonial qui n'a pas son égal dans le monde compte tenu des sacrifices consentis par nos martyrs. Le peuple algérien a combattu avec beaucoup de force le colonialisme et la politique de destruction à travers les mouvements de résistance nationale et la guerre de libération nationale. Aucune nation n'a subi ce qu'a enduré le peuple algérien en matière de représailles, d'atrocités et de résistance de la part du peuple, a indiqué le chef de l'État. 1,5 million de martyrs se sont sacrifiés pour l'indépendance de notre pays. C'est une fierté pour nous d'évoquer ces sacrifices qui n'ont pas de prix. L'Algérie a toujours été sur les traces de ses anciens shuhada, a indiqué Abdelmadjid Tebboune. L'indépendance dont se réjouit aujourd'hui notre pays est un serment sacré des martyrs qui ont versé leur sang pour que vive l'Algérie indépendante. Nous resterons toujours mobilisés face à ces sacrifices et nous resterons fidèles à la mémoire de ces shuhada et nous préserverons l'unité de la nation afin que vive l'Algérie indépendante, a indiqué le chef de l'État dans son message. Cette commémoration de la fête d'indépendance nationale nous permet de mesurer une nouvelle fois la grandeur et la place de l'Algérie, ce grand pays qui n'a jamais été abandonné par ses enfants dans les moments les plus difficiles et qui ont toujours répondu présent à l'appel du devoir, indique le président de la République dans son communiqué. Et de son côté, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a affirmé que la fête de l'indépendance et de la jeunesse était célébrée en Algérie à la faveur de la sécurité, de la stabilité, du développement et de la prospérité.
Et à la veille du 5 juillet, donc, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé deux décrets présidentiels. Le premier portant mesure de grâce au profit de 8049 détenus. Le second concerne les détenus qui ont obtenu des diplômes d'enseignement ou de formation durant l'année 2023-2024, indiqué un communiqué de la présidence de la République. Sont exclus de cette grâce présidentielle les personnes condamnées notamment pour des crimes liés au terrorisme, à l'homicide ou au meurtre, à l'évasion, à l'espionnage, aux conspirations contre l'autorité de l'État, à l'intégrité et l'unité territoriale, à l'atteinte au système de traitement automatique des données visant la défense nationale, encore les organismes ou les institutions de droit public, le trafic de migrants et les crimes liés aux drogues sous toutes leurs formes. Et toujours à la veille de la célébration du 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce jeudi au Palais du Peuple la cérémonie de remise de grades et de médailles aux officiers généraux et officiers supérieurs de l'ANP. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l'ANP, des personnalités nationales et des moudjahidines. Le président de la République a décerné à l'occasion la médaille de bravoure de l'armée nationale populaire au chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha. Saïd Chengriha, qui dans une allocution a rendu hommage au président de la République, au combat de la génération de novembre et aux martyrs du devoir national qui ont préservé, dit-il, face au terrorisme barbare, le caractère républicain et démocratique de l'État. On l'écoute. Il m'est agréable en cette occasion de remercier le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, en mon nom personnel et au nom de toute la composante de l'armée populaire nationale et lui exprimer toute ma gratitude pour avoir présidé personnellement la cérémonie de remise de grades et des médailles au cadre de l'ANP. Cette cérémonie coïncide avec la célébration de l'une des plus importantes étapes de notre glorieuse histoire qui est le 62e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance qui enracine en nous le sentiment de la détermination et de la persévérance pour défendre notre pays et ses décisions souveraines et pour travailler dans le sens de son épanouissement, de son développement et l'unité de son peuple. Cette date est synonyme de fierté et de reconnaissance pour nos aïeux et les héros de la génération de novembre. Nous sommes également reconnaissants à cette occasion envers les patriotes dévoués qui ont préserver le serment et nous réitérons l'engagement pris devant nos martyrs des résistances populaires et ceux de la glorieuse guerre de libération qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale. Le général d'armée a également souligné l'appui du président de la République aux différentes composantes de l'ANP, un appui source de motivation. Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, je reste convaincu que votre présence à cette cérémonie et votre soutien continu que vous ne cessez d'apporter à l'institution militaire aura un grand impact sur le moral, sur les différentes composantes de l'armée dans toute sa diversité et quel que soit leur degré de responsabilité et va les motiver pour avancer d'un pas rapide et déterminé pour réussir le défi de la promotion de nos forces armées, les propulser et élever leur capacité de combat et le niveau de leur disponibilité conformément aux missions que leur attribue la Constitution. Et cette fin de semaine a été marquée par le coup d'envoi hier par le président de la République de l'opération remise des clés de logements, toutes formules confondues à leurs bénéficiaires, plus de 252 000 logements à travers tout le territoire national à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance. Le lancement a été donc effectué depuis la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Sur place, le président de la République a mis en avant à l'occasion la compétence et le savoir-faire des Algériens dans le domaine de la construction de logements. Il a appelé les Algériens à faire preuve de reconnaissance envers leur pays. Il rappelle que ces logements ayant été construits par des Algériens, on l'écoute. Le bâtiment va, tout va.
L'opération de livraison de logements a donc débuté hier à travers toutes les wilayas du pays. Illustration ce soir avec Sidi Blabas, Inès Mohamed. Il s'agit d'un quota de 1777 logements, toutes formules confondues, dont 447 logements type LPA, 830 aides à l'habitat rural et 500 aides à la construction de lotissements sociaux des hauts plateaux répartis sur 10 communes de la wilaya. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive. On écoute quelques témoignages des bénéficiaires. راني فرحان مسرور جدا اخذ المفاتيح لا ميز دي كلي تحيه الشهداء وتحيه الجزائر رانا فرحين بزاف ولا يعجبنا ولا من مكتوب ان شاء الله الرحمن الرحيم وتحيه تبو المسؤولين تاعنا اللي شاركوا باش نديروا هذا النهار في يوم كيما هذا والحمد لله. Il est prévu d'ici la fin de l'année en cours la distribution de 4319 logements toutes formules confondues, sachant que l'an dernier un quota de 3980 logements était réalisé. De Sidi Blabas, Inès Mohamed pour Algérien 3. Alors 1,5 million d'unités ont été réceptionnées en 4 ans, soit depuis 2020, tous segments confondus. La politique de l'État en matière de logement va se poursuivre, en témoigne ce que prévoit l'actuelle loi de finances, la réalisation de près d'un demi-million de logements supplémentaires. Ibtihal Haddoun. Le président de la République met les acquis sociaux et le confort des citoyens au cœur de son engagement. Depuis son investiture, il a fait des préoccupations des citoyens une priorité, notamment en matière de logement. Depuis 2020 au 5 juillet 2024, plus de 1,5 million d'unités de logement ont été distribuées sous diverses formules, avec une enveloppe financière de 4 400 milliards de dinars consacrée à leur réalisation. D'ailleurs, à la veille du 5 juillet, les autorités remettront les clés de près de 67 370 unités de logement en vente-location à travers le pays. Ces résultats, justement, démontrent l'engagement du gouvernement à répondre aux besoins en logement et à améliorer les conditions de vie des citoyens. D'ailleurs, la loi de finances 2024 prévoit l'inscription de 460 000 logements, toutes formules confondues, dans 23 000 logements ruraux, en plus du programme ADL3 qui sera lancé demain, conformément aux instructions du président de la République. Et justement, les personnes souhaitant s'inscrire au programme ADL3 pourront le faire directement sur le site de l'agence à partir de demain à 21h demain. Les responsables de l'ADL expliquent en ce moment les modalités d'inscription. Ils animent en ce moment, je vous le disais, une conférence de presse sur laquelle nous reviendrons. Autour également ce soir sur l'inauguration du stade de Douira par le président de la République, le stade qui porte désormais le nom du martyr Ali Ammar, dit Ali Lapointe. Le chef de l'État a remis à l'occasion le décret présidentiel aux dirigeants du Mouloudia d'Alger. Il exprime à l'occasion sa gratitude aux responsables du ministère de l'Habitat qui ont réussi à sauver ce projet. On l'écoute. شكر للمجهودات اللي قامت بها وزارة السكن وحقيقة أنقذت المشروع لأن المشروع كاد يروح في خبر كان نظرا للاعوجاج نتاعه من الانطلاقة بالإضافة إلى النقائص في الإنجاز بالإضافة إلى استهلاك أموال طائلة بدون أن نصل إلى درجة الإنجاز اللي تساوي المصاريف. على كل حال كانت فيه مساعدة كبيرة نتاع الخزينة وأعتقد أن الجزائر بصفة عامة والفريق اللي يشرف على تسيير هذا الملعب ماهوش خساره فيه، ماهوش خساره في الشباب تاعنا ان شاء الله، يكون سبب من الاسباب اللي يخلي الجزائر اليوم قطب رياضي عالمي، حب من حب وكره من كره، بلا مزيت اي واحد. Et à propos de stade, celui du 5 juillet accueillera demain à 17h la finale de la Coupe d'Algérie qui opposera le MCA au CRB. Nous y reviendrons avec Lotfi Benidir à la fin de ce journal. En attendant, ces entretiens entre le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, avec une délégation d'investisseurs et industriels autour d'un projet d'industrie de transformation des produits de l'autruche, et ça dans le cadre de la stratégie adoptée par l'État visant à atteindre la sécurité alimentaire, à diversifier l'économie nationale. Cette rencontre a pour objet également de créer des opportunités d'emploi dans une filière prometteuse et de l'ériger en locomotive du développement économique durable. Taïb Zitouni appelle les responsables de la société de réalisation et de gestion des marchés de gros, Magro, à développer et à diversifier l'activité de l'entreprise, à s'orienter vers le conventionnement avec les agriculteurs et les producteurs et à établir un partenariat avec les investisseurs dans le domaine des réseaux de grande distribution.
Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations s'exprimait lors d'une séance de travail consacrée à la présentation des résultats de l'évaluation préliminaire de Magro. Et à propos d'entreprise, gros plan sur l'entreprise Eniem qui a bénéficié dans le Wilaya Tizi Ouzou, qui a bénéficié récemment d'un plan de sauvetage de 3,5 milliards de dinars, une bouffée d'oxygène pour ce fleuron de l'industrie nationale, Smaïl Mimouni. Avec la relance de l'ENIEM, 1500 postes d'emploi directs sont aujourd'hui préservés. L'ENIEM a même signé des contrats de partenariat avec des entreprises étrangères. Laouni Ahmed, PDG de l'ENIEM. Actuellement, on a 1500 et quelques travailleurs. Et dès la relance effective de la société, on aura besoin de recruter des employés directs dans nos ateliers pour arriver à une cadence de rentabilité de l'usine, une fois arrivé à 250 000 unités par année. La gamme actuelle dépasse les 60-70% et la gamme qu'on est en train de développer avec des partenaires industriels étrangers. Avec ces partenaires, on a arrêté une feuille de route. Tous les produits, on y arrivera, Inch'Allah, à un taux d'intégration minimum de 50%. Pour relancer son activité, l'entreprise ENIEM a bénéficié d'un accompagnement et même d'un soutien financier de l'État de 3,5 milliards de dinars. Nous nous sommes rapprochés de quelques employés de l'entreprise. Ils ont exprimé leur satisfaction de voir aujourd'hui leur entreprise reprendre son ancien rythme de production. On a commencé la production par l'aide de l'État au niveau de notre atelier. Donc la cadence, c'est 400 appareils par jour. Nous sommes en train de faire des mains et des pieds autant que travailleurs afin de redorer le blason de cette entreprise. On remercie les autorités algériennes pour leur aide infaillible pour cette entreprise. À leur tête, Monsieur le Président de la République. La relance de l'entreprise ENIEM permettra en plus de préserver sa place sur le marché local, d'aller vers l'exportation, ce qui contribue directement dans le développement de l'économie nationale. Moment de fierté, d'accomplissement à la cérémonie de remise des diplômes de la 8e promotion de l'ECHRA. 49 étudiants ont été honorés. 49 étudiants en gestion hôtelière et restauration ont été honorés, ce qui traduit l'excellence des programmes pédagogiques dispensés par cette école d'hôtellerie et qui forme des cadres de haut niveau. Lors de cette cérémonie, deux importantes annonces ont été faites, notamment celle concernant les futurs bacheliers, puisque cette école est désormais ouverte à tous les candidats ou tous les bacheliers, toutes filières confondues, y compris ceux des lettres, philosophie ou encore des langues étrangères. Soraya Erzlan. Beaucoup d'émotions lors de la cérémonie de remise des diplômes de la 8e promotion, licence et 7e promotion bachelor à l'École supérieure d'hôtellerie de restauration l'ECHRA, qui a été particulière cette année avec l'annonce de deux décisions importantes. Smaïl Chalel, PDG de la Société d'investissement hôtelière CIH. La première, c'est d'annoncer que nous venons de conclure avec première université en Europe en matière d'hôtellerie et de l'École supérieure de tourisme et d'hôtellerie d'Angers. Et donc nous allons assurer de la codiplomation à partir de septembre prochain, Inch'Allah. Nous allons annoncer une très bonne nouvelle à nos bacheliers, Inch'Allah. À partir de cette année, toutes les filières seront admises au niveau de l'ECHRA. Et nous comptons recevoir un nombre important d'étudiants à partir de l'année prochaine. Après un cursus de 3 années à l'ECHRA, ces étudiants viennent de décrocher avec succès leur diplôme en gestion hôtelière. Je ressens une profonde gratitude et vraiment énormément de joie. Déjà le fait d'avoir été major de promo et aussi pour avoir déjà été diplômé. Alors moi personnellement, j'aimerais d'abord commencer avec l'expérience, avoir une bonne expérience dans une chaîne reconnue, une chaîne internationale. Par la suite, j'aimerais avoir un poste managérial. On vient d'obtenir un diplôme international pour pouvoir devenir manager des grands établissements. Notre pays a besoin de nous parce qu'on doit développer notre tourisme. C'est la première priorité, développement local. 49 étudiants, dont 30 ont été honorés en gestion hôtelière et restauration avec la certification académique de l'école hôtelière de Lausanne. Cette distinction traduit la rigueur des programmes de l'ECHRA qui forment depuis des décennies des managers de haut niveau dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration. Ceci pour l'actualité dédiée à l'actualité nationale. On va parler du dossier palestinien. 58 civils ont été tués, 179 autres blessés dans 4 nouveaux massacres commis par l'occupant sioniste ces dernières 24 heures. Portant ainsi le bilan de l'agression sioniste à Gaza depuis le 7 octobre 2023 à plus de 38 000 martyrs, plus de 87 000 blessés. La situation humanitaire à Jabalia se détériore
en l'absence d'eau, encore de nourriture, à cause d'un occupant qui empêche toujours le passage des aides humanitaires au nord de la bande de Gaza. L'occupant qui cible délibérément et d'une manière intensive les camps de réfugiés en Cisjordanie occupés. Le camp de réfugiés de Jenin est la cible d'offensives et bombardements quasi quotidiens. Un ciblage dont le but est de briser la résistance palestinienne, comme le dit Akalim Hasnaoui. Najat Abou Goudna, elle est enseignante et membre du centre d'aide aux femmes réfugiées à Jenin. L'armée israélienne considère le camp de réfugiés de Jenin comme une petite Gaza. Ce camp est un symbole de résistance et de dignité depuis des années. Ce n'est pas depuis le 7 octobre qu'on est toujours. Avant le 7 octobre, les Palestiniens résistent pour indépendance. Si on peut citer 2022, 2023, 2021 aussi, ces années, avant le 7 octobre 2024, on est plus féroce sur le peuple palestinien. L'armée israélienne attaque toujours les habitants du camp, puis les jeunes arrêtent le gel aussi, et détruisent des infrastructures de ce camp, rasent les routes, bombardent les maisons, afin que ces habitants puissent quitter ce camp. Au volet diplomatique, la résistance palestinienne Hamas, dans un esprit positif, a pris acte du contenu des négociations en cours pour un cessez-le-feu. Le président du bureau politique, Ismaïl Haniya, a affirmé hier soir avoir pris attache avec les médiateurs au Qatar et en Égypte et même en Turquie pour soumettre les idées du mouvement en perspective d'un accord pour mettre fin à l'agression sioniste à Gaza. Parallèlement, cette escalade et intensification des bombardements au sud Liban, le Hezbollah a mené une attaque aérienne avec un escadron de drones contre une série de positions militaires sioniste, selon un communiqué de la résistance libanaise. Plus de 200 missiles de différents types ont été lancés en représailles à l'assassinat d'un de ses dirigeants. Une riposte à l'agression répétée de l'occupant israélien contre le Liban. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, Stéphane Dujarry, s'est déclaré hier très inquiet de l'escalade des échanges de tirs. Il a mis en garde contre le risque pour la région dans son ensemble si nous devions nous retrouver dans un conflit à part entière, a-t-il déclaré. Autre situation de conflit et préoccupante, le Soudan qui connaît l'une des pires crises de famine au monde depuis 20 ans. Alors que les combats font toujours rage, 10 millions de Soudanais se retrouvent désormais réfugiés et plus de 25 millions autres sont en proie à une insécurité alimentaire aiguë. Le point de la situation avec Mohamed Hassan, ancien vice-président du Parlement soudanais, il est contacté par Karim Hasnaoui. Les habitants de plusieurs villages d'El Jazeera al-Hashasa, dépouillés de leurs biens, ont dû fuir et se réfugier dans des zones plus sûres. La situation humanitaire à l'ouest du Soudan est très critique et pour cause, le nombre de réfugiés est nettement supérieur à l'aide disponible sur place. Le besoin d'aide humanitaire est très important et nous, on ne trouve pas de soutien pour assister les Soudanais. Certes, il y a des aides qui nous parviennent des pays arabes, des aides insuffisantes comparées à la détresse des Soudanais. Ultime recueillement à la mémoire de notre ami collègue Nordine Saoudi, décédé hier suite à un accident de la circulation. Il a été inhumé cet après-midi en présence d'une pléiade d'artistes, de beaucoup de personnes qui l'ont accompagné à sa dernière demeure. Fatah Boumadi pour le compte-rendu. Le monde de la culture a perdu une de ses figures les plus emblématiques, Nordine Saoudi, éminent pédagogue et gardien du patrimoine musical andalou. De nombreux artistes et ses anciens collègues de l'archéologie se sont justement rassemblés et l'ont accompagné à sa dernière demeure. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière d'Al-Qattal. Le réalisateur Jafar Gassem. Pour moi, c'est un choc parce qu'on était sur un projet kif-kif, un projet historique. C'était le premier projet qu'on a fait kif-kif. Sa rencontre avec moi, il a des projets, il était très enthousiaste, très ouvert, très joyeux. C'est une perte pour non seulement sa famille, mais pour toute la famille artistique. C'est une perte aussi culturelle pour l'Algérie. Le chanteur Hamidou. C'est un jour triste pour nous tous. Ouais. Le comédien Atman Ben Daoud. Nordine Saoudi, il était mon maître. J'adhérais Sindoussia. Et comme moi, à l'époque, j'étais élève Bouskifan, et ben il m'a accueilli d'une façon magnifique. Il a dit, là, tous les jeunes, j'ai besoin de vos talents. Le chanteur Abdel Qadir Chaou. الله يرحمه ويحبني ونحبه وقعدت شفته معاه ويعرضني في القعدات اللي يكونوا في قاعدة لا كولتور وماشي من اليوم يا عباد والله العظيم غير مازال ما جاتنيش في البحر وعيطت البارح ناصر جدايا انا فشلت. Nordine Saoudi, un homme dont la passion pour la musique et la culture andalouse était palpable et laisse derrière lui un riche patrimoine musical ainsi que de nombreux enseignements qui continueront de résonner à travers les générations futures. Son héritage ne se limite pas aux notes et aux mélodies mais s'entend aux valeurs de respect, de transmission et de préservation
de la culture. Puissiez-vous reposer en paix l'artiste. On arrive au sport, Lotfi Benidir, bonsoir. Bonsoir Nasser. On va parler pour commencer de la sélection nationale fixée désormais sur ses adversaires lors des éliminatoires de la CAN 2025. La Confédération africaine de football a effectué ce jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. La sélection nationale tête de série a été versée dans le groupe E en compagnie de la Guinée équatoriale, du Togo et du Libéria. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. La capitale, en fait, à la veille de cette finale qui s'annonce palpitante, la finale de la Coupe d'Algérie qui va opposer l'Omouloudia d'Alger au Chabab Riadi de Belouizdad. Tout à fait, plusieurs quartiers d'Alger se préparent à ce grand rendez-vous, la finale donc, de la Coupe d'Algérie. Les supporters du Mouloudia d'Alger du Chabab Riadi de Belouizdad veulent immortaliser cette finale inédite puisque les deux clubs ne se sont jamais rencontrés à ce stade de la compétition. Autre fait marquant aussi pour cette 57e édition de la Coupe d'Algérie et que le vainqueur battra un nouveau record. Jusque-là, le Moudia d'Alger, le Chabab Riadi de Belouizdad compte 8 finales remportées, 8 Coupes d'Algérie au même titre que l'Entente de Sétif et de l'USM Alger. Reste à savoir désormais quel spectacle vont produire les joueurs des deux formations sur le terrain demain pour cette finale et pour aborder l'aspect technique justement. L'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Amir Patrice Baumel, a beaucoup insisté auprès de ses joueurs sur l'importance de garder la fraîcheur mentale durant cette finale. On l'écoute. C'est l'équipe qui aura le plus de fraîcheur mentale pour rester organisée, pour rester disciplinée, pour rester unie jusqu'au bout, parce que c'est vrai que c'est difficile, hein, un an de saison de haut niveau, c'est pas facile. Donc de la fraîcheur mentale qui va forcément avoir des impacts sur la fraîcheur physique, garder son calme, les nerfs et ne pas se mettre une pression négative qui ferait que l'enjeu tue le jeu, comme on dit souvent pour les finales. C'était l'entraîneur du Mouloudia d'Alger. De l'autre côté, l'entraîneur assistant du Chabab de Belouizdad, Nasser Mekidesh, nous a confié que cette finale se jouera sur un détail. Une partie de football, ça se joue sur le terrain, sur les 90 minutes et peut-être les 120 minutes. Et à l'équipe qui sera la plus prête, c'est sûr, elle va la gagner. Et comme je l'ai dit, ça se jouera sur des détails. Nous connaissons leurs points forts, nous connaissons par où on peut passer. Et nous, on a travaillé sur tous ces points-là. Et je pense que ces entraînements apporteront leurs fruits durant ce match. Et les joueurs sont conscients, ils ont cette grinta. Alors donc Mouloudia d'Alger, Chabab Riadi de Belouizdad, ce sera demain à partir de 17h au stade du 5 juillet. Je rappelle que l'ouverture des portes est prévue à partir de 11h pour les supporters des deux clubs. En tous les cas, restez branchés hein, sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Vous tiendra au courant des moindres détails durant toute la journée de demain pour cette finale de Coupe d'Algérie. Un dispositif spécial a été mis par le service des sports. On vous tiendra, je vous disais, au courant de tous les détails de 7h du matin jusqu'à 23h. Et un dernier mot de football pour parler de transfert. Le défenseur et international algérien Mohamed Amin Medani s'est engagé pour une durée de 3 ans avec la JS Kabylie en provenance du CS Constantine. Merci Lotfi Benidir, c'est avec vous que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Hafed Media qui était à la réalisation, Adlen à la technique, Hossein à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo. La météo tout de suite avec Amin Mounir. L'info revient à 20h, premier flash de la soirée. Ce soir, vous retrouverez Nelemen Mendil. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain à 19h. Merci de nous rester fidèles.